Vendredi 16 septembre, les quatre enfants de la reine Elisabeth II, le roi Charles III, Anne, Andrew et Edward, se sont retrouvés autour du cercueil de cette dernière pour lui rendre hommage. Le lendemain, le prince William, le prince Harry et les six autres petits-enfants de la souveraine, décédés le 8 septembre dernier à l'âge de 96 ans, ont fait de même aux alentours de 19h. C'est le mari de Datalin People égal à 0M26M4AC637B4C5A88A18C9M4C81M24 Middleton. En uniforme d'apparat, qui a mené le cortège jusqu'au cercueil au bruit d'un sabre frappant le sol. Les petits-enfants se sont placés autour de la dépouille de leur grand-mère, d'abord de face, puis de dos. La tête baissée, ils sont restés ainsi pendant un quart d'heure avant que le sabre ne frappe à nouveau le sol. Là, le cortège est reparti, toujours avec le prince William en tête. Son petit frère, uni avec lui dans la douleur, était juste derrière. Une scène très émouvante à laquelle de nombreux Britanniques, venus honorer la reine, ont également assisté. Sur les images, le prince William apparaît particulièrement ému. Le prince Harry est tout aussi marqué par la douleur du deuil. Également vêtu de son uniforme, il a gardé un visage grave tout au long de cette veillée et semblait très attristé au moment du départ du cortège. Depuis la mort d'Elisabeth II, Harry et William sont apparus plusieurs fois côte à côte lors de différentes étapes de l'opération London Bridge. Ils étaient ainsi réunis pendant la procession qui a mené le cercueil de Buckingham jusqu'au palais de Westminster. Le 13 septembre dernier, le lendemain, ils étaient ensemble à une cérémonie en la mémoire de leur grand-mère accompagnée de leurs épouses. Kate Middleton et Datalin People égale à 8A23M5BC482C4A4A8A0A2499282C8FDD Meghan Markle. Des retrouvailles dans la douleur qui émeuvent les admirateurs de la famille royale britannique.